Dans la série « Comment améliorer la rémunération du dirigeant », épisode 9, l'intéressement. L'intéressement permet d'obtenir une prime en fonction des résultats ou de la performance de l'entreprise. Cette prime est calculée avec une formule qui a un caractère aléatoire, par exemple, en fonction du chiffre d'affaires. L'avantage de la prime d'intéressement, c'est qu'elle bénéficie d'un régime fiscal et social très favorable. En effet, la prime d'intéressement est exonérée de la majeure partie des cotisations sociales, excepté la CSG et la CRDS. Cette prime peut être exonérée d'impôt sur le revenu si elle est versée sur un plan d'épargne salariale. Par ailleurs, au-delà d'améliorer la rémunération du dirigeant, l'intéressement permet aussi de réduire la base imposable de la société et donc de réaliser une économie d'impôt sur les bénéfices. Bref, de réelles économies en perspective, et si vous voulez en savoir plus, lisez l'article.